Chers amis, bonjour, rebonjour. Nous sommes de nouveau en direct depuis la place Saint-Pierre pour suivre le rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Aujourd'hui, l'Église célèbre le baptême du Seigneur qui achève le temps liturgique de Noël. Ce mystère de la vie du Christ montre de façon visible que sa venue dans la chair est un acte d'amour des trois personnes divines. Nous pouvons dire que de cet événement solennel, l'action créatrice, rédemptrice, sanctificatrice de la très sainte Trinité sera toujours plus évidente dans la mission publique de Jésus, dans ses enseignements, les miracles, dans sa passion, mort et résurrection. Nous lisons en effet dans l'Évangile selon saint Matthieu que dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau et voilà, s'ouvrirent pour lui les cieux. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voilà, une voix du ciel qui disait, « Voici mon Fils, le bien-aimé, en lui j'ai placé tout mon amour. » Le Saint-Esprit demeure sur le Fils et en témoigne la divinité, alors que la voix du Père, qui vient des cieux, exprime la communion d'amour. La conclusion de la scène du baptême nous dit que Jésus a reçu cette onction authentique qu'il est, lui est l'homme, le Christ attendu, ce qui confirme la profession d'Isaïe. Voilà mon serviteur que je soutiens, mon élu dans lequel je me plais. C'est vraiment le Messie, le Fils du Très-Haut, qui sortant des eaux du Jourdain, établit la régénération de l'esprit et ouvre à tous ceux qui le veulent la possibilité de devenir les fils de Dieu. Ce n'est pas un hasard, en effet, que chaque baptisé acquiert le caractère de fils en partant du nom chrétien, signe que le Saint-Esprit fait naître de nouveau l'homme dans le sein de l'Église. Le bienheureux Antonio Rosmini affirmait que le baptisé subit une opération très puissante secrète pour laquelle il est soulevé à l'ordre surnaturel et il est placé en communication avec Dieu. Tout cela s'est de nouveau réalisé ce matin lors de la célébration eucharistique dans la chapelle Sixtine, où j'ai conféré le sacrement du baptême à 21 nouveau-nés. Chers amis, le baptême est le début de la vie spirituelle qui trouve sa plénitude grâce à l'Église. Dans l'heure du sacrement, alors que la communauté ecclésiale prie et confie à Dieu le nouvel enfant, les parents, les parrains s'engagent à accueillir le nouveau baptisé, le soutenant dans sa formation et dans l'éducation chrétienne. C'est une grande responsabilité qui vient d'un don immense. Donc, je voudrais encourager tous les fidèles à redécouvrir la beauté d'être baptisé, d'appartenir donc à la grande famille de Dieu et donner un témoignage joyeux de sa propre foi, afin que cette foi génère des fruits de bien et de concorde. Nous le demandons par l'intercession de la Vierge Marie, aide des chrétiens, à laquelle nous confions les parents qui se préparent au baptême de leurs enfants, ainsi que les catéchistes. Que toute la communauté participe à la joie de la renaissance de l'eau et du Saint-Esprit. Angelus Dominus avit Maria. Concepite Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Ut fini efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesmus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tui incarnatione coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, je profite de cette prière mariale pour réserver un souvenir à la population de Haïti, une année après le tremblement de terre qui malheureusement a suivi aussi une grande épidémie de choléra. Le cardinal Robert Sarah, président du Conseil pontifical Cor Unum, se rendra aujourd'hui dans cette île des Caraïbes pour exprimer ma proximité et celle de toute l'Église. Je salue aussi le groupe de parlementaires italiens qui sont ici présents et je les remercie pour leur engagement partagé avec d'autres collègues au profit de la liberté religieuse. Je salue aussi les fidèles coptes ici présents auxquels je renouvelle ma proximité. Je vous salue cordialement, chers pèlerins francophones, le baptême du Seigneur que nous célébrons aujourd'hui clôt le cycle de Noël et nous introduit dans le temps ordinaire. Nous revivons notre propre naissance en Jésus-Christ, qui fait de nous ses frères et nous comble de l'amour de son Père. Ouvrons nos cœurs au souffle de l'Esprit-Saint pour rester fidèles à notre vocation de fils de Dieu. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Bon dimanche à vous tous. I am pleased to welcome also visiting pilgrims present for this Angelus prayer. Today, the Church celebrates the baptism of the Lord and contemplates once more the revelation of God who is close to humanity, who visits his people in the person of Jesus Christ in order to set them free from the tyranny of sin and death. May we open the doors of our hearts to Christ and welcome him into the world of today. God's abundant blessings be upon of all you, all of you. Ein herzliches Grüß Gott sage ich den Pilgern und Besuchern aus den Ländern deutscher Sprache. Die Kirche feiert heute das Fest der Taufe Jesu. Am Jordan geht der Himmel auf über dem Herrn, der sich verdemütigt hat
Und die Stimme von oben sagt, dieser ist mein Sohn, der mir gefällt und zeigt uns damit auch, wie wir sein müssen, damit wir Gottes Gefallen haben. Durch das Sakrament der Taufe sind wir gleichsam mit Jesus hinuntergestiegen in den Jordan und steht diese Stimme der göttlichen Liebe auch über uns. So gehören wir zur Gemeinschaft Jesu Christi, zu seinem Leib der Kirche, tragen seine Gnade und sein Leben in uns und damit auch den Auftrag, dafür Zeugnis abzulegen. Danken wir dem Herrn für das Geschenk des Glaubens, des Mitseins mit ihm und bekennen wir Christus als den Bruder und Erlöser der Menschen. Gott segne euch alle. Saluto con affetto alle peregrinos de lingua española. In este domingo, che sigue alla festa dell'Epifania, celebramos il bautismo del Signor, concluendo así el tiempo litúrgico de la Navidad. El Padre manifiesta en el Jordán a Jesús como su Hijo amado, ungido por el Espíritu, revelando también así el misterio del nuevo bautismo, fue el que llegamos a ser en verdad hijos suyos. Que la intercesión de la Santísima Virgen María os ayude a ser imagen de aquel que hemos conocido semejante a nosotros en la carne y renueve en todos la vocación a la santidad a la que se está llamado por el bautismo. ¡Feliz domingo! Postrávam se tečen fiskih polakov, liturgia necelih štupanskiego. Le Saint-Père salue maintenant tous les fidèles polonais. La liturgie du dimanche du baptême du Seigneur nous conduit sur les rives du Jourdain où Jésus, le Fils de Dieu, reçoit le baptême de pénitence. De cette façon, manifeste sa solidarité avec tout homme qui a besoin de conversion. Jésus, sur les rivages du Jourdain, par le sacrement du baptême, nous libère des péchés. Et pour terminer, je salue les fidèles de langue italienne. Je salue tout particulièrement le cœur de la ville de Ala, côté de Trente, on est au nord de l'Italie, avec ses paroissiens et une représentante de la communauté civile. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Bon dimanche. Chers amis, je vous remercie de votre fidélité. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père demain à partir de 11h. Vous pourrez suivre en direct depuis Rome les vœux du Saint-Père au corps diplomatique. Un grand merci à CTV Telepace pour ces images. Je vous donne quant à moi rendez-vous mercredi prochain pour l'audience générale. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine.